Bonjour, je vais vous présenter Mezzo, un jeu qui est actuellement en financement participatif et donc on va jouer sur une version non définitive du matériel, donc le prototype du jeu. Donc vous voyez la boîte, ça c'est la boîte définitive. Par contre, le plateau, les figurines et tout le reste des éléments sont encore en cours de développement. Mezzo est un jeu de contrôle de territoire et d'affrontement entre 2 à 4 joueurs et éventuellement 5 joueurs avec une extension. Dans la version définitive, on aura des grandes figurines de ce style pour représenter les divinités précolombiennes et des figurines qui feront environ 32 mm pour les différentes figurines humaines qui représenteront nos forces sur le plateau. Mezzo se joue en 3 époques durant lesquelles les joueurs vont s'affronter en résolvant 4 phases durant chaque époque dans l'ordre de la piste de score. Le premier joueur est celui qui est le plus en avance sur la piste de score. Au tout début d'une époque, on va tirer une tuile de conflit pour savoir quel est le territoire qui va être dévasté. Donc là, ce territoire-ci ne sera pas joué du tout. On considère qu'il n'existe pas pour cette époque. Dans les 5 territoires qu'on va utiliser pour cette époque, on va placer des tuiles qui rapportent des bonus pour ceux qui vont remporter les batailles. Donc c'est ce qu'on appelle l'hôtel de la pyramide. Donc chaque territoire comporte une pyramide et le vainqueur aura droit à la récompense qui est indiquée. Lors de la préparation, on met une tuile pour chaque âge de courroux des dieux. Ce sont des tuiles qui vont permettre de sacrifier des unités pour obtenir des pouvoirs. Donc au début de la partie, on ne connaît que le premier. Par exemple, celui-ci, si on sacrifie une unité, on gagne un point de victoire et ça permet de récupérer une unité qui se trouve quelque part sur le plateau pour le remettre dans sa réserve. Ça permet d'avoir plus de troupes au moment opportun. Et au début de son tour, on va choisir une des 3 capacités qui se trouvent pour l'âge numéro 1. Donc c'est comme un arbre de technologie. Au début de la deuxième époque, on va choisir une case, et au début de la troisième époque, de la même façon. Ce qui fait qu'en fait, notre tribu évolue au fil de la partie. Et donc, il y a une certaine variabilité parce qu'on a plusieurs embranchements possibles suivant les parties. Et ensuite, on doit placer son champion sur un territoire de son choix qui ne comporte pas déjà de champion. Donc, dans la partie, si on joue à 4, il y aura 4 territoires avec un champion et un territoire qui n'en a pas. Sachant que le territoire qui est dévasté ne peut pas être joué. Je décide donc de placer mon champion ici, puisqu'il n'y a pas de champion et je ne placerai pas mes troupes ici. Et je décide de placer 3 chamans ici. Je ne peux pas placer ici puisque c'est le territoire dévasté. Chacun des autres joueurs, on va simuler une partie, on va placer des divinités. Chacun des autres joueurs va placer ses troupes. Donc ici, personne ne peut placer un champion puisqu'il y en a déjà un, mais on pourra placer d'autres troupes. Quand tout le monde a placé ses troupes, chacun doit déplacer sa divinité, c'est obligatoire. Donc une divinité ne peut aller qu'à un endroit où un piédestal est vide. Par exemple, je peux décider de me mettre ici, de me mettre ici. Par exemple, je vais décider de me mettre ici. C'est un intérêt parce que certaines divinités ont des pouvoirs qui ne s'appliquent que dans les zones qui sont adjacentes à leur piédestal. Une fois que tout le monde a bougé sa divinité, on passe à la résolution des conflits. Et donc, de la même manière, résolution des conflits, on va tirer une tuile et on va résoudre un conflit qui se passe avec Anne, ici. Imaginons que le champion se trouve avec des unités adverses. Donc là, ça s'est décidé au moment où chacun a placé ses unités. On doit résoudre ce territoire. Et il y a un territoire où il n'y a pas de champion qui était placé. Disons que c'est celui-ci. C'est le territoire béni. Ici, ce sera une résolution spéciale quand il tombera. Donc pour résoudre un conflit, chaque joueur pioche 3 cartes de sa main, choisit une carte, et tout le monde la révèle en même temps. Voilà. Donc, le joueur qui possède le champion n'est pas celui qui va jouer en premier, c'est le joueur qui se trouve à sa gauche. Là, en l'occurrence, je ne jouais que contre le joueur bleu, donc c'est le joueur bleu qui va jouer. À son tour, le joueur choisit une des 3 possibilités qui se trouvent sur sa carte. Donc, il y a différents effets, donc on choisit ceux qui nous intéressent le plus, on marque la carte pour ne pas le réutiliser par la suite. Le joueur suivant fait de même, il choisit l'effet, il le résout. On refait un tour de table, on rejoue un effet, ou alors l'effet du bas si on veut, et ensuite on compare les forces en présence.
Donc, avec les effets des cartes, ça a pu fluctuer. Il y a des guerriers qui ont pu partir, des guerriers qui ont pu revenir, des chamans, et ainsi de suite. Un champion, ça vaut 2 points de force. Et tout autre humain sur place vaut 1 point de force. Là, en l'occurrence, c'est le joueur bleu qui remporte le conflit. Donc, c'est lui qui aura le bonus sur l'autel. Et le joueur rouge n'a pas de bonus. Ensuite, on regarde qui possède le plus de guerriers. Les guerriers vont sur le codex. On regarde qui a le plus de chamans et les chamans vont sur le calendrier. L'intérêt, c'est que celui qui est en majorité va pouvoir utiliser un pouvoir, par exemple ici construire une pyramide, alors que le joueur qui a mis son champion a plus de force, mais il n'y a pas d'effet particulier. Et une fois qu'on a résolu tout ça, les guerriers qui sont encore sur place retournent dans la réserve de leur propriétaire. Et ceux qui ont éventuellement été sacrifiés vont à Xibalba. Et ceux-ci, ils sont pas dans notre réserve. Pour les reprendre, il faudra trouver d'autres solutions. Une fois qu'on a fait ça, on fait la même chose pour tous les autres territoires, jusqu'à ce qu'on ait tout résolu. Il y a un territoire particulier, c'est celui qui est le territoire béni des dieux. Donc c'est là où il n'y a pas de champion. Quand on arrive à ce territoire, ça peut tomber au début ou à la fin, peu importe. Ici, on ne va pas regarder, comme il n'y a pas de champion, on va devoir sacrifier des unités aux dieux. Soit des unités qui sont dans notre réserve, soit des unités qui sont dans ce territoire. Chaque unité sacrifiée rapporte un point de dévotion, donc là ça nous permet de monter sur l'échelle de dévotion, ce qui rapporte des points durant la partie. Et les unités sacrifiées, elles vont nous rapporter en plus un point de force. Donc on va compter les forces en présence, par exemple si on est comme ça. Chaque joueur a 2 points de force, mais si le rouge décide de sacrifier 2 unités, il passe à 4 points de force. Et donc c'est lui qui va remporter les 8 points de victoire. L'autel n'est pas compté, mais c'est automatiquement 8 points de victoire pour celui qui remporte un conflit dans une zone bénie. Une fois que tous les conflits sont résolus, donc ces unités-là retournent dans la réserve de leur propriétaire, on passe à la fin d'âge. Donc on enlève le territoire béni, les dieux restent en place, les unités qui sont sur le territoire, normalement sont toutes parties, certains effets permettent quand même d'en faire revenir à des moments donnés. Et on passe à l'âge suivant. Donc on avance d'un cran, donc on a fait un tiers de la partie. On refait 2 âges de cette façon, et on arrive en fin de partie. À la fin de la partie, on va compter autant de points de victoire que ce qui est indiqué sous notre jeton dévotion. Donc par exemple, si je suis là, j'ai directement 15 points de victoire qui s'ajoutent. Si au cours de la partie j'en avais gagné plus, on aurait des bonus, mais par défaut, on peut s'arrêter à 15. Donc suivant les cartes qu'on va jouer, on aura accès à diverses actions. Par exemple, l'action Apaiser les dieux, ça permet de sacrifier une troupe qui se trouve dans un territoire adjacent à son dieu ou dans sa réserve pour obtenir l'effet du courroux des dieux de cette époque. Donc l'unité est sacrifiée et on obtient le pouvoir. L'effet d'éveil permet de reprendre une unité qui se trouve en enfer et de la placer quelque part sur le plateau. Soit on la met où on veut, s'il n'y a pas de symbole spécifique, et s'il y a un symbole de divinité, ça veut dire qu'il doit être adjacent. Par exemple, là, je serais obligé de le mettre ici ou ici, pour le mettre à côté de ma divinité. On peut aussi construire. La construction, c'est soit ajouter un glyphe, donc là, c'est un symbole, un symbole précolombien, entre autres, là, en l'occurrence, un symbole inca, qu'on peut placer sur un territoire. C'est un effet pour les combats. C'est aussi quelque chose qu'on peut sacrifier pour obtenir un bonus à un moment donné. Ou bien on peut construire une pyramide. Donc on est obligé de commencer par la pièce la plus basse qu'on possède dans sa réserve. Par défaut, on a 2 pierres, en tout cas 2 dalles basses. Si j'en avais plus, j'aurais pu mettre une plus élevée. Et ça permet de gagner un point de victoire, le fait de l'avoir posé. Ensuite, si quelqu'un d'autre pose une pyramide, soit il pose une pyramide à sa couleur à côté, soit il rajoute un étage. Par exemple, si je joue une deuxième fois une construction, je peux décider de mettre un deuxième étage. Et là, ça permet de compter des points par rapport au nombre d'étages que possède la pyramide. Si un adversaire pose une couleur, je gagnerai un point de victoire parce qu'il pose sur ma pyramide, mais je ne gagnerai pas par rapport au nombre d'étages. C'est lui qui va gagner. Donc c'est un générateur de points de victoire qu'on peut placer suivant où on se trouve sur le plateau. L'action démolir, donc là, soit on détruit un glyphe qui était posé, souvent il y a un bénéfice à le faire, soit le dernier étage de la pyramide qu'on choisit. Et ça peut être celui d'un adversaire, évidemment. On peut avoir une action de déploiement, c'est-à-dire qu'on va placer des troupes
en général, de manière adjacente à sa divinité. Donc on choisit le territoire, on peut les poser. On peut aussi exiler une figurine qui se trouve sur le terrain, quelque part, soit adjacent à sa divinité, soit ailleurs, et on le renvoie dans la réserve de son propriétaire. On peut aussi châtier une unité, en gros on la sacrifie, on la met en enfer, et on obtient un bénéfice. Et il y a une dernière action qui est l'action de transformer. Ça permet de transformer un glyphe en étage de pyramide. Ou l'inverse. Chaque divinité possède un pouvoir qui est indiqué sur sa carte. Donc là, c'est un effet qui va se jouer au moment où on le déplace, donc à la phase de déplacement de la divinité après avoir déployé ses troupes. Soit on le joue avant de le déplacer, soit on le joue après. Donc là, chacun vient choisir. Et chaque divinité possède 5 cartes, ce qu'on a déjà vu donc pour les combats. Elles ont toutes le même titre, mais elles n'ont pas les mêmes effets suivant les divinités. L'action du bas est toujours la même pour la même divinité, l'action de cérémonie est toujours la même. Donc, suivant les cartes qu'on a en main, pour les différents combats, on aura un certain choix dans les cartes. Et pour le dernier territoire qu'on va résoudre, on n'aura plus qu'une seule carte. Donc, à chacun de bien connaître son deck. Et si on connaît celui de l'adversaire, évidemment, on a un avantage, c'est qu'on sait ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire.